Ben, l'esprit festival, je dirais, moi, essentiellement, principalement, la proximité. Proximité entre les artistes et le public, les bénévoles, tout ce petit monde-là qui vit pratiquement en communauté pendant 3 jours. Ce qui revient souvent dans les commentaires, c'est que c'est un festival qui est simple, humainement, qui est très humain, où il y a. On sent souvent, quand les festivaliers arrivent ou les musiciens qui viennent nous voir disent tout de suite, oh, les gens sourient. Il y a quelque chose qui se détend immédiatement quand on arrive dans l'ambiance du festival. Donc ça, c'est le truc dont on est fier. Partage autour de la musique et d'une vision de la musique qui est j'espère, l'inverse d'une vision sectaire, c'est-à-dire quelque chose de partagé, de très large, ouvert à beaucoup de choses. Et voilà, de manière la plus simple possible. À 100% bio, oui, approvisionnement local, la restauration entièrement faite par les bénévoles eux-mêmes. On sent que maintenant qu'il y a une grosse fidélisation de la part du public, donc ça nous donne, juste ça va, je pense, pour l'avenir, nous donner un peu des ailes pour avancer, quoi. Maintenant qu'on sait que les gens nous lâche pas, on vient de faire 3 jours sous la pluie et tout le monde est venu en masse. Donc c'est rassurant et ça. Notre solution de repli dans la grange est ressentie de façon particulièrement agréable par le public et les artistes aussi. Ça crée une autre ambiance complètement différente de ce qu'on aurait vécu en plein air. Donc finalement, ça s'avère quelque part positif malgré tous les soucis que ça nous a occasionnés. L'essentiel, de toute façon, c'est de garder cette unité du lieu qui est essentielle. Parce que même si on est obligé de se réfugier dans la grange, le reste du site quand même reste vivant quand même. Thank you.
l'année prochaine, c'est les 10 ans. C'est la 10e édition, donc on a envie de faire quelque chose d'un peu spécial. Alors, on ne sait pas encore où on va. Chaque année, on essaye de faire des petites évolutions. Mais bon, c'est la surprise. Il ne faut pas tout dévoiler. Merci à vous. Et au public, et aux artistes, et aux bénévoles. Et finalement, à la météo, qui nous a permis de vivre quelque chose de différent des autres années.